la chaîne de la diaspora congolaise. Ezali que acteur politique bazo à grandeur. Et na tongo ya lelo na mokolo ya lelo tolingi to servir exemple ya grandeur wana. Touti ka ba intérêt individuel personnel to mon intérêt à peuple congolais. La capacité d'un homme politique, d'un grand homme, ezali oyo soki a moni likambo ezali aza na capacité à kozwa option pour na protéger intérêt à peuple naï. Je crois que ce que nous avons fait et le retour sali na mokolo ya lelo. L'accord où ils allaient signé, ils allaient qu'il y a deux blocs. Bah signataire il y a le 18 octobre. Non, bah non signataire il y a le 18 octobre. Bah signataire il y a le 18 octobre. Bah ça la institution pour l'instant. Bah ça libre à qu'on s'organise, qu'on ça la activité la bas l'olenge balingi. Bah ça la bas regroupement politique dans l'olenge balingi. Mais l'accord ils allaient d'une part bah signataire, non bah non signataire. Na kati ya bah non signataire, oyo biso tous allaient, oyo rassemblement azali, ils allaient na moi poko soana oyo salami. Yango biso tozwi initiative. Pona ete toko kakosa la makasi rassemblement ezala se moko parce que yango nde ezala intérêt ya population na biso mobimba. Et loko moko population azana ngo besoin ezali justement bo moko wana oyo ko permettre biso toko kako atteindre alternance oyo peuple na biso azali nango besoin. Le reste ezali kaka distraction et pour voyer la biso. Merci beaucoup. Je pense que Nassouk a porté ça à chaque chaîne, la déclaration, une copie de la déclaration. Oui. Vous aurez tous les détails qui sont là-bas parce que la question de M. Zouzou, alors c'est déjà inscrit dans la déclaration. En tout cas, personnellement, je tiens à vous remercier. Sincèrement, je vous demande une seule chose. Portez le plus loin possible ce message. La classe politique congolaise a besoin de la grandeur. Le scénario vécu de part et d'autre est ce qu'il est. Mais du moins, la chose la plus importante, c'est avoir la capacité de se lever pour rebâtir dans la bonne direction. Donc, à la sortie, il y a la déclaration, une dame va vous remettre toutes les déclarations et chacun, selon l'orientation du protocole, sera correctement géré de manière à ce que les choses puissent bien se passer dans l'avenir. Vous savez que nous avons fait une exhortation pour que le politique, l'homme politique congolais prenne la hauteur. Et nous allons être l'exemple de cet auteur. Ici, le terrain, c'est le Congo. Ce n'est pas A, B, C ou D. L'intérêt, c'est le Congo. C'est le peuple congolais qui se retrouve aujourd'hui déçu par une attitude, je peux le dire, plus ou moins irresponsable des acteurs politiques que nous sommes. Donc, nous avons voulu prendre de la hauteur, de manière à ce qu'avec cette attitude, nous puissions offrir à notre peuple ce qu'a toujours été son rêve, son idéal, et ce qu'il attend des acteurs politiques congolais. Je pense que c'est une mission noble, nous allons nous l'offrir et nous avons déjà commencé et je pense que dans les jours qui viennent, vous allez voir le résultat de ces initiatives que nous avons prises. Ce n'est pas une affaire de choix, de X ou Y, c'est une affaire de se rendre compte que cette situation, le plus grand perdant pourrait être le peuple congolais. Or, le peuple congolais ne devrait pas perdre. Voilà pourquoi nous sommes alignés dans la voie de protéger les intérêts de notre peuple. Or, les intérêts de notre peuple, c'est dans l'unité, dans la cohésion. Donc, nous sommes offerts pour que cette unité de rassemblement se rétablisse de manière à ce que le plus grand gagnant dans cette affaire, ça ne soit pas un groupe, l'un ou l'autre, mais ça soit plutôt le peuple congolais qui attend beaucoup de cet accord, de la mise en œuvre justement de cet accord. En tout cas, après de quelques pas que nous avions fait, nous avions déjà commencé à faire, il y a la grande volonté. Cet après-midi, nous allons encore avoir quelques contacts. Il y a la bonne volonté, la volonté de chacun pour que le rassemblement demeure une seule institution, une seule force et qui nous permettra d'obtenir l'alternance dont notre peuple a besoin. Il y a la volonté et nous croyons à cette volonté que cela devienne possible. Et je crois que ça sera possible par la grâce de Dieu. Je pense que vous n'allez pas rabaisser la noblesse de notre action à de pardon auprès des individus. Le pardon ici, c'est le peuple congolais qui est blessé. Nous n'avons pas à demander pardon à X, Y ou Z, mais nous avons besoin ici de défendre des valeurs qui vont faire à ce que notre peuple... Encore une fois, grand merci. Dans une semaine, nous allons certainement revenir quand nous allons faire l'évaluation de nos contacts. Nous vous tiendrons au courant de manière à ce que vous soyez informés. Et jour après jour, vous allez voir ce que nous menons comme action. Et je vous rassure
que c'est déjà positif ce que nous avons fait jusque-là. En tout cas, encore une fois, merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.